bravo et faire quoi. Doucement, Michel et ses blancs. Vas-y, vas-y, Michel. Vas-y, maintenant. Ici, là. Poussez pas derrière. Pas quasiment rien. Je m'attendais à être une petite merde en gardant au bout de quelques jours et puis finalement en merde, tout s'est très bien passé. C'est-à-dire que tu voulais être épicé, quoi, en fait. Ouais. Pas eu de problème. Donc tu te sentais complètement normal dès le départ de ta vie. Sauf que pendant 2 mois, j'avais fait aucun entraînement. J'avais même pas eu une vie normale, c'est-à-dire que j'avais les bras qui étaient déjà comme ça, j'avais aucune force, aucune puissance, quoi. Donc du coup, ça a été un peu dur, la moitié aussi, c'était un peu... C'est assez éprouvant physiquement, mais pas plus que d'habitude, plutôt moins. Enfin bon, quand on n'a rien en tête, tout va bien. Laurent, tu vas parler de problème de pilote. J'ai eu un problème de pilote aux Açores. Ouais, juste au moment où on sortait de la dépression qu'on a eue, là, en descendant dans le sud avec les vents du nord-ouest, un petit peu avant. J'ai un pilote qui est tombé en panne, un deuxième qui est tombé en panne et le troisième marchait par alternativement seulement quand le moteur tournait, enfin voilà, je ne sais pas vous raconter tout. J'ai mis 2 jours après la panne, c'était des circuits, des jus que j'ai posés. Je sais que si vu qu'on perdait beaucoup d'électricité par là, le moteur était plus tourné plus souvent, donc après j'ai manqué de fuel jusqu'à l'arrivée, j'ai été obligée de. Quand j'ai finalement réussi à remettre le pilote en marche, à trouver d'où ça venait, j'avais plus assez de fuel jusqu'à l'arrivée pour tenir une semaine. Donc je me suis dit que la seule solution c'était de barrer tout le temps. J'ai coupé tout à bord, j'avais plus d'instruments, plus rien. J'allumais le GPS une fois toutes les 4 heures pour voir ma position et quel que je faisais. Et puis je faisais tourner le moteur une heure. Enfin, 2 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure à 24 heures, et comme ça je dormais pendant que le moteur tournait. C'est peut-être ce qui t'a fait gagner d'avoir barré autant. Comment? Est-ce que c'est d'avoir barré autant qui t'a peut-être aidé à gagner? Oh, je pense pas, je pense que c'est plutôt un handicap parce que c'est vraiment fatigant de barrer parce que c'est la fatigue inutile. Là, c'est toute la journée. Enfin, en plus, quand t'as pas d'instrument, les moments où on va vite, c'est pas évident parce que bon, il faut vraiment éviter les grains. Moi, de pas venir à la bascule dans les grains, et puis quand il n'y a pas de vent, c'est encore plus difficile. D'autant plus que barrer du flotteur, ce n'était pas évident. Donc je parlais souvent de ma petite cabane là, de dessous, donc je ne vois rien du tout. Mais ça m'a. Bon, bah, c'est comme ça. Tu positionnais où quand tu as eu des problèmes de radio? Tu positionnais deuxième, troisième, quatrième? Tu pensais qu'il y avait Non, j'étais déjà en tête. Enfin, je ne sais plus quel jour. J'étais en tête assez rapidement, le 3e ou 4e jour, le 7. Quand tu as eu des problèmes de radio sur la fin, tu pensais être loin derrière ou... Ah ben j'ai eu des problèmes de radio, j'ai bricolé, j'ai remonté un petit peu tout. Et je me suis dit, après de bricoler là-dedans, je vais bien finir par débrancher des fils. Avant, on avait des bateaux qui étaient hostiles, quand il y avait un fil qui était débranché quelque part, il suffisait de remettre du scotch et c'était parti. Mais là, si on n'est pas ingénieur, pour retrouver la boîte, il faut vraiment. Donc, de toute façon, j'aurais trouvé certainement la panne, mais je ne vais pas chercher, parce que de toute façon, je n'avais pas plus le moyen d'émettre. Étant donné que je préférais garder le peu d'électricité que j'avais pour le pilote, parce qu'elle était plus importante.
de pilote. Donc pouvoir mettre le pilote 3 heures par jour, c'était vraiment vital pour moi. Donc il était hors de question d'essayer de communiquer, venir de la chef, venir de la ligne, quoi que ce soit. Et donc j'ai pas eu de nouvelles de la course depuis le 10. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en tête depuis 3 jours. Mais comme j'ai perdu pas mal de temps à ce moment-là, je pensais que les 3-4 bateaux qui étaient juste derrière moi m'avaient rattrapé. Et qu'en revanche, j'essayerais de ne pas me faire rattraper par ceux qui étaient, cette équipe qui s'était avec nos Açores. Et c'est seulement quand Bernard Bussol m'a survolé avec le Brigade Atlantique, je ne sais pas, il y a 3-4 jours, je lui demandais une position, il m'a dit, oh, mais t'es en tête et t'es encore augmenté ton avance à l'argent. Étonné, et plus que ça, non? Ça devait être un grand moment, quoi. Ouais, ça devait être un grand moment, mais tout le long, je me suis dit que je ne savais pas se laisser mouvoir par le fait d'être en tête de la course. C'est pas forcément ce qui est le plus difficile, ce qu'il faut, c'est de rester. Et finalement, je crois que dans cette course, j'ai bien suggéré tout ça. Psychologiquement, c'est dur d'avoir Myber chez Poupon derrière pendant autant de jours. Bah non, c'est plutôt même des erreurs de temps. Pourquoi ton tableau électrique se détache comme ça? Pourquoi ton tableau électrique se casse la figure comme ça? T'avais beaucoup secoué le bateau dans les premières dépressions? Non, j'entends rien, je vois rien. Alors, pourquoi ton tableau électrique se casse la figure? Est-ce que c'était parce que tu avais beaucoup secoué le bateau dans les premières dépressions? Ça t'a passé très fort ou que tu casses la figure comme ça? Pourquoi il est tombé? Le tableau électrique, le tableau électrique. Ah oui, parce que ça tient pas bien. Non, sinon ça a tapé comme ce que d'habitude, on n'a pas eu vraiment du grand mauvais temps. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des bateaux au niveau de la performance qui sont poussés tellement loin maintenant qu'on hésite à marcher avec les nœuds dans la dépression, quoi, même les deux à le pied. C'est pour ça qu'on a l'impression que la mer est dure, mais en plus sur les bateaux en carbone, il y a tous les trois côtes en même temps qui rentrent en résonance. Donc moi cette fois-ci j'ai levé le pied beaucoup plus que d'habitude en étant persuadé que ce qu'il fallait c'était ressortir de cette dépression sans avoir rien cassé. Mais cela dit, c'était pas vraiment une bonne nouvelle temps. On a eu 25 secondes de vent, il y a eu 40-45 dans un grain au moment de la renverse, c'est tout, quoi, c'est rien de méchant. Mais tout dans la façon dont on produit le bateau, c'est sûr qu'à 5 nœuds, il risque de rien de vous arriver. Bon, à 14-15 nœuds, déjà, c'est difficile. Au début de la dépression, on est à 14-15 nœuds, enfin, entre 12 et 14-15 nœuds, bon, à un moment, il faut savoir lever le tir, réduire, et puis. Quand on a la patience, en attendant que ça passe un petit peu. Mais c'est difficile de réduire la vitesse sur ces bateaux parce qu'en fait, si on nettoyait à peu près normalement, et à ce moment-là, dès que le bateau fait part sur une vague ou sur une vague rapide, tout de suite, on démarre à 17 nœuds et là, ça passe jusqu'au moment où ça passe plus. Soit on est obligé de réduire suffisamment pour justement se permettre de partir un peu à la bateau ou prendre de la vitesse, mais sans dépasser 14 nœuds ou 13 nœuds. À ce moment-là, on traîne à 9 nœuds. Comment est-ce que tu as fait ta route, Florence, puisque tu as plus ton routeur, tu avais des indications météo ou bien tu faisais... Non, j'avais aucune information météo parce que mon agrafax était tombé en panne aussi tout de suite, le deuxième jour, je crois, j'ai fait des cartes pendant deux jours. J'ai fait ça, ce que je connaissais de cette zone par expérience, parce que j'ai quand même fait quatre fois la route du Rhum, une fois bon, je vois pas mal de transats dans ces coins-là. Finalement, on retrouve toujours un petit peu les mêmes phénomènes. Il y a une zone tampon à traverser qui est délicate, c'est toujours la même. C'est la zone entre le système dépressionnaire et le système d'Alizé, avec dans le cyclone de Bermude, dans le cyclone de Açores. Il faut arriver à négocier ça au mieux. Et en fait, les dernières informations que j'avais, c'était qu'il était prévu qu'il y ait de l'orsage sur le. Quand nord à 40 mètres, mais c'était des prévisions à 48 heures, donc ça évolue vite. Mais en fonction de ce que j'avais comme conditions météo, j'ai réussi à faire mon petit topo dans ma tête au niveau de la situation qui pouvait exister.
Et par expérience, je savais que le vent se laisse en arrière, donc il ne fallait pas tirer le bord trop longtemps dans l'ouest, mais quand même suffisamment pour pouvoir faire la filière. Et en fait, ça a marché. Je crois que j'ai tiré le bord. Le pilote, j'ai une hémorragie et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pensé d'épancher ma valise de détresse. Bon, et puis je ne l'ai pas fait en me disant, de toute façon, ça ne servait à rien. Soit ça s'est arrêté et ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Soit ça ne s'arrêtait pas, et de toute façon, même si ma bateau disait à ma course, ça ne changeait rien du tout pour rien. Donc, j'ai mis à la cape et puis j'ai attendu que ça passe et puis j'ai redémarré. Un médecin vous attendait ce soir à l'arrivée? Combien de temps la cape? Je n'ai pas vu en temps, j'ai dit de toute façon ça fait 5 jours que ça a comme ça, je n'ai rien vu parce que j'ai tellement de temps de tous les côtés que je n'ai rien vu, j'ai même pas pris un bain encore. Je suis resté une fois à 2 heures à la cape quand j'ai essayé de réparer mon pilote et puis une fois à 2-3 heures quand j'ai eu le problème de santé. Quand tu as vu toute cette casse autour de toi, tu t'es dit quand même, ça va mal ou, Non, je m'y attendais. Je savais qu'il fallait laisser casser. Quoi. C'est assez... De toute façon, à chaque coup du rhum, il se répète le même scénario. Il y a la moitié de la fleur qui est out dans les 5 premiers jours de course. Donc, ce qu'il faut, c'est pas être de cela au début, mais quand pas décrocher dans ce truc. Tu n'as pas toi beaucoup souffert? Non, pas du tout. On m'a tapé comme du gros temps. Non, j'ai levé le pied, ce qui ne me ressemble pas tellement d'habitude justement, mais je me suis dit, faire comme Philippe. soyons raisonnables et l'important c'était de rien casser. Quoi. C'est évident que dès que c'est un truc, même des petits trucs, moi j'ai eu des problèmes. Bon, j'ai déchiré mon soin, je ne sais plus, le lendemain ou deux jours après le départ. J'avais des problèmes d'enrouleur de traquettes, des petits trucs qui pétaient comme ça, mais qui nous retardent énormément. Donc on ne peut pas se permettre de casser. Ça, c'est évident. Pour gagner, il faut déjà arriver. Alors, quand tu analyses ta course, ce qui t'a fait gagner, c'est quoi? C'est ça? Je pense que c'est d'avoir cogité, d'avoir réussi à garder mon seul contrôle tout le temps, de faire ma course à mon rythme, sans absolument jamais m'occuper des autres. Moi, je considère qu'il y a 3 ou 4 jours où j'ai vraiment perdu du temps et où je pensais que tout le monde aurait ramarré, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais finalement, en étant concentré sur ce que je faisais moi, complètement réfléchie et en gérant bien mon temps et puis mon énergie qui n'était pas très brillante, en fait, parce qu'au début, j'étais crevée, au milieu, j'étais crevée, après, j'étais crevée. J'ai réussi à courir de façon plus intelligente. Et à faire tirer les bons bords, à manœuvrer juste au moment où il fallait le faire et à ne jamais être surprise par les événements météo. Parce que même si j'avais pas de routeur et aucune information météo, je savais exactement ce qu'il y aurait comme temps à l'arrivée. Enfin, je savais, je sentais, je me disais, j'espère que je ne me trompe pas, parce que heureusement, je ne suis pas trompée. Mais c'est pas facile quoi, quand il n'y a personne pour vous dire et que vous pensez que le vent va tourner comme ça. Et que c'est long à venir, et que jusqu'au dernier moment, vous comptez toutes les heures et toutes les nuits que vous faites dans la mauvaise direction, si jamais vous ne tournez pas comme vous pensez que ça va tourner. Donc, c'est sympa. Je crois que c'est comme ça que doivent se passer les courses. Il faut les réfléchir. Après, c'est rien du tout d'aller manœuvrer quand c'est de l'attente. Qu'est-ce que tu ressens ce soir? Tu es fier de toi? Oui. Bon, j'ai du mal à réaliser encore. Ça m'amuse beaucoup de me retrouver là ce soir, sachant qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé encore. C'est vraiment drôle. C'est toi qui vas les accueillir. Est-ce que vous savez? Oui, j'ai réagi à mes copains. Est-ce que vous savez à la 5e édition?
Comment? Est-ce que vous savez à la 5e édition? Oh, je suis un corneille. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Vous pensez avoir mis des formes? C'est vraiment une belle épreuve. Moi, j'ai passé des moments formidables en mer et c'est une course extraordinaire. Je crois que même par rapport à la C-Star, c'est beaucoup plus fort parce que c'est tellement. Il y a tout. Et tout le long, c'est dur, c'est tactique, c'est physique, c'est intelligent, c'est vraiment une épreuve magnifique jusqu'au dernier effort pour le tour de la Guadeloupe. Ça là, moi aujourd'hui, ça a bien marché à faire pour les vivants parce que ça n'a pas toujours été aussi facile le tour de la Guadeloupe. Vous pensez avoir mis des choses à l'heure, des pendules à l'heure là ce soir? Est-ce que ça fait terminer? Moi, j'avais pas de pendules à l'heure à la remettre. Hein. Non, parce qu'il y a même c'est les autres qui règlent en compte, je ne sais pas comment arriver avec personne. Moi, je suis très fière d'avoir gagné cette course avec pas mal d'avance sur des gens comme Poupon et Birch. Voilà. Et bon, c'est pas prétentieux, c'est seulement que c'est, je suis très contente de moi. Qu'est-ce que vous pensez des paroles de Philippe Poupon qui, lorsqu'il a été sur l'avion, a dit « C'est la victoire d'un grand marin, ça me fait plaisir pour elle. » Ah bon? Ben, j'ai toujours été, je ne savais pas. Moi, j'ai toujours été contente quand c'est lui qui gagnait. Je suis contente qu'il ait même... Moi, je ne m'étonne pas, de toute façon, de vous. Et je voudrais dire aussi que si j'ai gagné cette course, ce n'est pas que grâce à moi, c'est quand même avant tout parce que j'ai un sponsor qui m'a permis de le faire, sans quoi ce ne serait pas possible. Et puis grâce à toute une équipe qui a travaillé de A à Z sur ce bateau, au niveau de la conception jusqu'à la préparation, jusqu'au jour du départ de la course, à commencer par les architectes et puis l'équipe technique, Patrick Montagne, le chantier. Enfin voilà, quoi, la liste serait trop longue à citer. Mais c'est vrai que c'est important, quoi. C'est pas la victoire d'une personne seule, c'est la victoire d'une équipe. Et dans cette équipe, il y a aussi le sponsor. Enfin, je pense que c'est important que tout ça fonctionne bien. Nous, chez nous, tout le monde est toujours content. On est heureux de faire ce qu'on fait. Et en plus, tant mieux, maintenant, ça commence à marcher et on réussit. Donc, moi, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à ça. Quoi. En tout cas, je suis contente d'avoir gagné aussi par rapport à eux. Enfin, surtout par rapport à eux. Quand est-ce que vous avez su que vous alliez gagner? Ben, j'ai pas encore réalisé que j'avais gagné. Je me disais, oh bah tiens, qu'est-ce que je suis là ce soir? Et en fait, j'ai gagné la route du Rhum. Moi, je sais pas. Quand est-ce que j'ai réalisé? Moi, j'ai réalisé seulement quand j'ai passé à Basse-Terre, quoi. Enfin, par là, parce qu'avant, je me suis dit, si jamais je me tanque sur la côte sous le vent, moi, ça m'est arrivé la dernière route du Rhum de rattraper 50 000 à deux de mes concurrents qui étaient devant moi sur le pont de la Guadeloupe. Je me suis dit que ça peut marcher dans le sens aussi, c'est si je me trouve après un grain sans vent à planter pendant des heures et puis filou ou verge qui déroule à 19 pendant ce temps-là de la tête à l'anglais, tout peut être à refaire. Et j'étais très rassurée. Et bah, il y a certainement beaucoup de femmes qui doivent se sentir solidaires et donner de la force à la place. Je ne peux pas vous dire tellement ce que j'en pense parce que je n'ai pas encore vraiment réalisé ce qui se passait ce soir. Alors... Bah, il doit s'être tué. Parce que c'est bizarre. Là. J'ai oublié de parler de mon beau-père aussi, parce qu'il est là. Parce que quand même, toute la première partie de la course, on a vraiment bien guidé, on a bien travaillé ensemble. C'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer. Je pense que j'aurais pu aller plus vite quand même, si j'avais eu un beau-père jusqu'au bout. L'avenir? Ah ben justement, j'étais en train d'y penser au prochain bateau. Ah ben, on va démarrer demain. Le projet du prochain bateau qui sera un 35 mètres, toujours dessiné par la même petite équipe.
équipe marche un peu d'égal, là, ça va, et très beau. Monsieur Lévy, monsieur Morel, voilà. Et qui sera un bateau de record. Pour faire la première année, je pense en 93, une ou deux tentatives du record de l'Atlantique pour se tester. Et puis ensuite, enfin, l'objectif c'est 94-95, la course autour du monde, le tour du monde en 80 jours. Rêve de Jules Verne. Ouais, tourner à fond la caisse autour de la Terre. En équipage. Avoir, en fait, avoir le plaisir d'imaginer un bateau où tout est à faire, quoi. C'est un véritable délire, quoi. Tout est à imaginer, tout sera à concevoir. Et tout ça pour un projet qui est aussi à imaginer. Donc c'est plutôt rejoindre l'esprit de la voile complètement ouverte comme c'était avant, plutôt que tout savoir les mêmes bateaux qui m'ont invité, c'est trop fatigant. C'est mieux quand on a le plus grand bateau qui est le plus vite et qu'on est sûr de gagner. Merci. Regardez la boutique. C'est Jean-François.
Ah oui, complètement. Il est encore à l'eau. Il est là, 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 attention, ça va serrer là. C'est pas lâché ou quoi? Bon, mais arrête, c'est pas lâché. Un qui n'aime pas l'eau, si c'est des garçons. Voilà, regarde, là, les garçons, ils n'aiment pas l'eau du tout. Vas-y encore. Et Alain, fais gaffe, tu dis quoi? Jean-Marie, envoie quelqu'un avant là pour faire le... Attends, pardon.